Good afternoon, good morning, and good evening for some of you. I'm Claire Brison on behalf of Florian Morin, Olivier Schinz, and all the scientific committee. We are welcoming all of you on the conference provenance, Global Provenance. This conference is part of the scientific program of the exhibition Exotic at the Palais de Rumine in Lausanne in Switzerland. During this third webinar entitled Practicing Provenance Research, the speaker will present different methodological aspects of provenance research. I'm going to continue the introduction in French, but the webinars will be in French and in English. Don't hesitate to use the chat function or raise your virtual hand for asking questions. Emmanuel Casarerou a généreusement accepté de modérer ce webinaire et de relever le défi en ligne. Avant d'être président du musée du Quai Branly, Emmanuel Casarerou était depuis 2004 adjoint du directeur du patrimoine et responsable de la coordination scientifique des collections au musée du Quai Branly. Précédemment, il a été directeur du musée de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, puis directeur culturel de l'agence de développement de la culture Kanak au centre Chibaou à Nouméa. Emmanuel Casarerou est très impliqué dans la recherche en provenance, notamment à travers l'inventaire du patrimoine kanak dispersé en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet, à l'initiative de Jean-Marie Chibaou en 1979, se concrétise durant les années 2000. Il travaille avec Roger Boulet, ethnologue et muséologue. Ensemble, ils localisent, inventorient, décrivent et documentent plus d'une dizaine de milliers d'objets. Cette matière leur a permis de concevoir l'exposition Kanak, l'art est une parole, qui s'est tenue en 2013-2014 au musée du Quai Branly, alors qu'en 1990, ils avaient déjà été co-commissaires de l'exposition d'Ojade et de Nacre. Ces deux expositions sont majeures en termes de culture matérielle Kanak et elles sont toutes deux accompagnées de catalogues. Emmanuel, c'est à toi, je te laisse la parole. Bonjour Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre. Alors effectivement, ce sera une première aussi pour moi de participer à des présentations en ligne. Donc Claire, merci pour cette présentation de ma personne et de ce qu'on a réalisé. C'est vrai que sans doute ce qui me vaut votre proposition, c'est d'avoir participé à un inventaire du patrimoine culturel dispersé, comme on dit, d'un petit peuple du Pacifique, et d'essayer de comprendre en fait comment ces objets conservés dans des musées, parfois depuis très longtemps, peuvent reprendre une signification nouvelle, à la fois pour les pays d'origine, ceux qui les ont produits, les cultures, mais aussi de quelle manière ces objets viennent réinterroger quelquefois. Stimuler, challenger, j'allais dire, une représentation du passé qui s'est construite sans eux. Et donc, c'est toute cette relation très intéressante entre une sorte de gel de patrimoine sur une partie dans les musées du Nord et un patrimoine qui, lui, a continué à grandir et à fonctionner dans le Sud. Donc, c'est une question qui, évidemment, a un intérêt tout particulier pour le musée du Quai Branly que j'ai l'honneur de présider maintenant depuis presque un an, car évidemment, c'est fait partie de ces questions qui ont trouvé une acuité nouvelle ces 10 dernières années, et pour nous, ces 3 dernières années, parce que la question de provenance, c'est des questions en fait, qui sont habituelles, j'allais dire, qui sont normales pour les musées qui essayent de mieux connaître leurs collections, mais les précisions dans lesquelles on rentre aujourd'hui, les demandes extérieures que nous avons, c'est une question qui était essentiellement traitée entre spécialistes et qui maintenant s'intéresse plus largement à un public plus large, nous oblige aussi à aller plus loin dans nos recherches et à faire un travail d'introspection, j'allais dire, sur nos collections, de ce que nous avons commencé au musée du Quai Branly et ce que nous envisageons de développer, comme bien d'autres musées l'ont fait, dans des collaborations. Car je pense que c'est ce qu'on va voir aussi au travers de ces présentations qui vont suivre, c'est que c'est un travail qui peut se commencer en solitaire, mais qui très vite devient un travail qui ne peut être réalisé que parce qu'il y a un réseau
de gens qui se spécialisent de plus en plus et qui permettent aux autres d'avancer sur ces questions. Alors, je ne peux pas prendre trop de temps non plus, on aura le temps de discuter plus tard sur ces questions. Est-ce qu'il faut que je dise deux mots en anglais ou est-ce qu'on continue en français et ensuite... Très bien. Donc, on a la chance d'avoir avec nous cinq participants qui vont nous présenter l'état de leur recherche. Donc, cette session à l'intérieur de ce grand colloque qui s'intéresse à la provenance globale et aux recherches de provenance. Notre session est plus particulièrement, j'allais dire, est plus pratique. Elle s'intéresse à des cas pratiques et de voir comment ces mises en œuvre se font, quels sont les problèmes méthodologiques, quelles sont les ressources, quels sont les écueils éventuels auxquels il faut réfléchir ensemble pour pouvoir poursuivre notre travail. Alors la première présentation qui va suivre, c'est celle de Marion Bertin. Marion Bertin est doctorante. Alors est-ce qu'on dit doctorante pour quelqu'un qui vient d'être reçu? Non, elle est docteur de l'université de l'École du Louvre et de l'Université de La Rochelle. Et sa présentation s'intitule « Provenance et pédigré » et s'intéresse à la question du marché au travers de deux cas d'école, de deux cas d'études, une qui concerne une collection acquise très récemment au XXe siècle, au début du XXIe siècle, par un passionné en Nouvelle-Calédonie, et une autre collection qui est du XXe siècle, et celle du musée Picasso, qui s'intéresse toujours à ce patrimoine kanak. Donc, deux expériences antipodiques, mais qui soulèvent un certain nombre de questions similaires qu'elle nous présentera. Nous écouterons ensuite Najiba Chouduri, qui est spécialiste de ces questions de provenance auprès du Smithsonian Institution aux États-Unis, et qui s'intéresse, elle, plus particulièrement aux collections et aux recherches de provenance sur les collections d'Asie du Sud-Est. Et ce sera vraiment intéressant d'écouter plus largement la manière dont elle procède, parce que ces collections sont souvent très, très importantes, et la manière dont cette grande institution muséographique américaine entend travailler sur ces questions de provenance et quelle méthodologie elle met en place. La troisième présentation sera celle d'Andreas Schlotthauer et d'Audrey Peraldi. Andreas est ethnologue indépendant et travaille pour des musées en Europe, au Brésil et en Ouganda. Et également rédacteur en chef de Kunst and Context, un très, très bon magazine, je dois dire, que je consulte de temps en temps quand les textes sont en français dans une langue qui n'est accessible. Et Audrey Peraldi est également chercheuse et contribue également à ce magazine. Là, c'est la question des bronzes du Bénin, qui est une des grandes questions quand on parle provenance, quand on parle restitution, c'est en général le premier exemple qui vient en tête, avec un travail très global que vous avez mené, dont vous nous direz plus, mais là vous allez vous focaliser sur les bronzes qui sont présents dans les musées suisses. J'ai été moi-même surpris du nombre de bronzes d'ailleurs qui étaient présents dans les musées, dans ces musées. Là aussi, beaucoup de questions intéressantes sur la manière de procéder et sur aussi la manière dont ces recherches finalement permettent de discriminer à l'intérieur de ces bronzes qui sont qualifiés de manière uniforme et qui en fait appartiennent à des sections historiques ou à des chronologies et donc à des modalités d'acquisition très différentes. La quatrième présentation, ce sera celle de M. Horia Iova, qui est doctorant à l'Université de Bucarest. Voilà une contribution très intéressante sur ces collections diplomatiques dont on a tous souvent quelques réminiscences dans les collections de musées, qui quelquefois se sont mélangées aux autres collections et dont on a peine à retrouver finalement leur unicité. Là, vous avez la chance d'avoir travaillé sur un corpus sur 25 ans de relations diplomatiques entre la Roumanie et son président et les pays d'Afrique. J'ai calculé 25 pays également. Et avec ce souci que vous avez d'essayer de comprendre, de donner du sens à ces collections, qui font partie intégrante maintenant du patrimoine,
comment leur donner du sens, comment les interpréter, comment faire en sorte que ces objets soient plus simplement vus comme des cadeaux diplomatiques, mais en fait engagent aussi d'une certaine manière l'image que l'on donne de soi, la relation à l'autre que l'on constitue à partir de ces cadeaux. Et enfin, une cinquième présentation qui sera le fait de Béatrice Voirol, qui est conservatrice des collections Océanie dans cet extraordinaire musée qui est le musée de Bâle, et avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer dans l'inventaire du patrimoine kanak que l'on a réalisé avec, et dont il a été fait mention au début. Là, pour toujours dans le Pacifique, Béatrice, mais cette fois-ci en Polynésie et en Marquise, avec une collection qui a un grand intérêt parce qu'elle a une unité de lieu et de temps, et qu'elle est limitée à deux personnes, et qui nous permet aussi de nourrir toute une approche autour de l'interprétation et de la provenance de ces objets, avec quelques péripéties qui se sont déroulées en ces années 30, qui sont aussi les années 30 de l'apogée, j'allais dire, de l'expression coloniale, au moins en Europe. Et là, vous avez une collection intéressante qui vient interroger cette période et la manière dont les musées aussi acceptaient à cette période de recevoir des collections, quelquefois obtenues dans des conditions qu'on pourrait qualifier de scabreuses ou en tout cas très originales et en tout cas des conditions qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Voilà notre menu qui est très riche, qui est très beau, et sans plus attendre, je pense que nous allons vous présenter les différentes vidéos qui ont été préparées. Je remercie à tous les panélistes d'avoir fait cet effort de concision. Je sais que c'est toujours très difficile quand on travaille sur un sujet. Merci de cet effort et merci de votre présence aujourd'hui. Dans le cadre du webinaire « Pratiquer la recherche en provenance », je souhaiterais revenir sur deux expériences en tant que chercheuse dans ce domaine. La première expérience a été menée à la Direction de la Culture de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui appelée la Direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui est située à Nouméa. Cette direction, qui est une entité administrative et non une institution patrimoniale, à la tutelle de quelques établissements culturels et patrimoniaux installés en province sud de Nouvelle-Calédonie. En décembre 2017, elle a reçu le legs de la collection privée réunie par William Coste, un collectionneur installé à Nouméa. Cette collection comporte 650 pièces, réparties entre un fonds d'objets asiatiques, un fonds d'art graphique signé par l'artiste Jean-Sohanné Michon, et un fonds d'environ 250 objets kanak provenant de Nouvelle-Calédonie. Ma recherche a consisté à discerner qui était William Coste en tant que collectionneur. J'ai également travaillé sur les objets kanak qui ont été analysés en tant que corpus et non un à un. Cette mission s'est tenue dans un délai très court, de quelques semaines seulement. La seconde mission sur laquelle je souhaiterais revenir a eu lieu au Musée National Picasso Paris dans le cadre d'une bourse immersion du Labex Cap, où j'ai été accueillie à la direction des collections sur une période plus longue, pendant 10 mois en 2020. 11 objets originaires d'Afrique et d'Océanie ayant fait partie de la collection personnelle de l'artiste sont aujourd'hui conservés par le Musée Picasso. La plupart de ces objets sont entrés dans les collections publiques par la dation de la famille de l'artiste, validée en 1979. J'ai alors travaillé à une meilleure documentation des provenances de ces objets en effectuant une synthèse des sources déjà disponibles. J'ai aussi tenté de mieux cerner les réseaux entourant Picasso afin d'entrevoir auprès de qui il effectuait ses acquisitions et par quelles modalités d'échange. Bien que ces deux expériences soient relativement différentes, quelques points communs peuvent ressortir. Tout d'abord, elles abordent des collections rassemblées à l'initiative de personnalités individuelles et composées en grande majorité d'objets acquis sur le marché de l'art, puis entrés dans le domaine public à la mort de leurs initiateurs. À la demande des institutions et également en raison des délais contraints,
Ma recherche de provenance a consisté à définir l'historique des anciennes collections et non à remonter jusqu'au site d'origine de l'objet, comme l'entend le terme provenience en anglais. Je ne peux donc pas m'attarder ici sur ce type de recherche qui a véritablement ses propres caractéristiques. Dans mes propres expériences, on voit se dégager également deux phases de recherche. D'une part, mieux connaître les personnes derrière ces collections, afin de comprendre les logiques d'acquisition et de réunion de ces objets, et d'autre part, documenter l'historique des objets à proprement parler. Ces deux aspects sont évidemment complémentaires. Dans les deux cas, la base de mes informations relevait d'archives constituées et conservées par les deux collectionneurs eux-mêmes, qui ont été versées aux collections publiques de manière attenante aux objets, ce qui est une chance, même si elles ne peuvent pas toujours répondre à l'ensemble des questions posées par les recherches de provenance. Certains silences doivent aussi être questionnés et abordés avec justesse, en émettant des hypothèses sans certitude de pouvoir jamais en valider l'une ou l'autre. D'autres sources ont aussi été utiles pour mes recherches. Je souhaiterais en particulier souligner l'importance des archives consignées par les marchands pour l'étude des provenances des objets ayant circulé sur le marché de l'art au XXe siècle. Certains de ces fonds sont aujourd'hui conservés dans des institutions publiques, dont le fonds de la galerie Brummer, qui est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York, ou le fonds du marchand Louis Carré, qui est conservé quant à lui au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Ces deux fonds ont été particulièrement utiles dans le cadre de la collection réunie par Picasso. Enfin, en plus des archives écrites, il faut souligner l'importance des connaissances orales fournies par divers acteurs, dont, en particulier dans le cas de mon étude de la collection de William Coste, les connaissances des marchands spécialisés dans les arts d'Afrique et d'Océanie, qui m'ont aidé à renseigner les habitudes du collectionneur. Les chargés de fonds de collection ou d'archives sont également d'importants témoins des circulations d'objets et du savoir. Leurs paroles, qui ne sont pas toujours consignées, gagneraient véritablement à être mieux valorisées pour de telles recherches qui deviennent fondamentales pour les collections privées et publiques. Today, I will walk you through how I conducted provenance research on a South Asian object that's in the Freer Gallery of Art, Smithsonian's National Museum of Asian Art. Hopefully, this will give some insight in the ways we can trace the ownership history, but also highlight a few challenges of working in this area. I would like to remind you that each object is unique. Therefore, one must adjust the research approach depending on the circumstances surrounding the artwork. However, there are some common avenues of research one can pursue, which I hope to illustrate here. You're looking at a sacred Buddha sculpture made of gilt copper from 14th century modern day Nepal. It's 8 inches tall, making it easily portable. The portable nature of this piece makes it difficult to ascertain its provenience. As a researcher, I want to uncover the full history, all the steps this object traveled from its making to its possible find spot to arrive to where it is now in the museum. But the frustrating job of a researcher is that this goal is often elusive. The other challenge with sculptures such as this is the issue of multiplicity. Stylistically, there could be many sculptures produced from the same region and period. Moreover, names of the artists are usually not recorded. For an object that is already accessioned in the museum's collection, I start by reading the information that is already recorded in the internal database. These are often considered tombstone information, such as the title, dimensions, medium, geography, date, artist, how did the object arrive at the museum, and when. Just a note on title. Much of South Asian art, particularly sacred art, do not have titles. Titles are given by collectors, galleries, and museums, as these are often fluid and can cause pitfalls for the researcher. I also look for any conservation reports to find out if a piece was damaged, repaired, or has any identifying marks. Sometimes there are seals and stickers from previous owners. Aside from these, another significant aspect which can help identify an object are inscriptions.
In fact, the sculpture has two inscriptions. The Sanskrit inscription etched into the copper states the gift of Dipamala. Dipamala was the wife of the ruler Prithvimala, who reigned in western Nepal and Tibet in the 14th century. So right here, we can tell that this was donated by either the queen herself or someone close to her circle. The accession file includes documentation on the collector or dealer from whom the museum acquired an artwork. There are often correspondences between the previous owner and the museum. Invoice in the accession file tells us that the Freer Gallery purchased this piece in 1986 from Peter Marks Works of Art, a gallery that was located in New York City. Next, I looked to see if the sculpture was published. This could be scholarly publications, exhibitions, or auction catalogs. It could be even newspaper or magazine articles. It turns out that this piece was published in a 1969 book, which listed it as belonging to the Brooklyn Museum of Art. After contacting the Brooklyn Museum, I learned that the piece came to them in 1967. But there were some caveats. They had competing sets of notice of arrivals within the span of a few days from the Doris Wiener Gallery and Walter Randall, dealers who operated in New York City. The paperwork also showed that while the object was still physically located at the Brooklyn Museum of Art, the sculpture was purchased by Mr. and Mrs. Paul Mannheim in 1968. In 1986, per Mannheim, the object was released to Peter Marks Works of Art in New York City. It's still unclear whether the sculpture came to the Brooklyn Museum of Art from the Doris Wiener Gallery or Walter Randall. Both Wiener and Randall died before research was done on this object, and neither have existing archives as far as I'm aware. I've gone through Wiener's exhibition publications and old art journals, but could not find this object among the ones listed. Randall was an art dealer of pre-Columbian and African antiquities. What's not clear is whether he also bought and sold South Asian artworks. Therefore, at this moment, it's still possible that it was either the Doris Wiener Gallery or Walter Randall who acquired the sculpture and loaned it to the Brooklyn. As of now, I've been unable to trace the object's provenance earlier than 1967. That being said, provenance research is ongoing. New information, resources, and archives could open up at any moment and enrich our knowledge or upend what we thought we know about a certain object or dealer. Bonjour à tous et merci à Claire Brison, Florian Morin et Olivier Schintz d'avoir organisé ce colloque et de nous permettre de présenter notre travail en matière de recherche de provenance. Depuis 2014, Andreas Schlotauer et moi-même avons commencé un travail commun sur les objets du Nigeria et plus précisément sur les objets du Royaume du Bénin qui sont actuellement conservés dans les collections suisses et européennes. Aujourd'hui, nous allons vous parler des résultats de nos recherches menées l'année dernière dans les collections suisses. Bon visionnage! Nous avons publié le résultat de nos recherches dans le 20e numéro du magazine allemand Kunst und Kontext sous le titre Objekt aus der Königreich Benin in Schweizer Museen. D'après nos données actuelles, près d'une centaine de pièces du Royaume du Bénin sont conservées dans les musées de Genève, Neuchâtel, Berne, Bâle, Zurich et Saint-Gallen. Parmi les pièces les plus anciennes, une dizaine ont été acquises autour de 1900 lors de ventes aux enchères organisées par le marchand anglais Webster. Une autre importante part des objets a été acquise dans les années 1920, dont 25 pièces qui ont fait partie de la collection du Suisse Han Korai. Et plus tardivement, à partir des années 1930, on peut compter 6 pièces qui ont appartenu au banquier germano-suisse Édouard von der Heydt. Moins d'une dizaine d'autres pièces ont quitté l'Afrique pour l'Allemagne à destination de Hambourg, puis de Berlin, Dresde ou Leipzig, avant de se retrouver dans les collections suisses. Enfin, il faut noter que près d'un quart des collections suisses est composé de pièces plus récentes qui ont été acquises en Afrique, auprès de l'atelier de la cour à Benin City, ou auprès de marchands nigérians entre 1907 et 1960. Sur près de 100 objets conservés dans les collections suisses, 5% peuvent être actuellement considérés comme des butins de guerre,
car ils ont pu être rattachés à l'année 1897, pendant laquelle le royaume du Bénin a fait l'objet d'une expédition punitive. Si l'on élargit ce chiffre aux objets rentrés dans les collections suisses avant 1900, cela représente près de 17%. Il faut préciser cependant que ces pourcentages ne tiennent pas compte des objets de l'Université de Zurich, sur lesquels nous espérons toujours obtenir plus d'informations. Cet article va faire l'objet d'une mise à jour, puisque nous avons à présent plus d'informations sur les collections du musée de Bâle, et afin de corriger des erreurs concernant le musée de Neuchâtel, qui a effectivement une base de données en ligne. Concrètement, comment nous pratiquons la recherche de provenance? Cela passe par la visite de salles d'exposition, et si cela est possible, nous analysons les objets dans les dépôts ou dans les salles de consultation. Nous mesurons l'objet, nous regardons sa facture, les traces éventuelles d'utilisation ou de restauration, et nous recherchons les traces d'anciens numéros d'inventaire ou d'étiquettes. Nous travaillons également avec les documents d'archives des musées, c'est-à-dire les cartes et les livres d'inventaire, les lettres, les albums photos et les publications. Les documents ne sont pas toujours dans le même lieu de conservation que les objets, et nous élargissons le plus souvent possible nos recherches aux archives municipales, cantonales ou régionales, nationales ou militaires. Lorsque nous y sommes autorisés, nous photographions les objets et les documents. Et enfin, nous rentrons toutes ces informations dans notre base de données, en les comparant au préalable avec celles données par le musée. En 2019, nous avons créé une base de données sur FileMaker, qui nous permet de regrouper tous les objets du royaume du Bénin dans un même document. Pour la construction de cette base de données, nous nous sommes fortement inspirés de ce qui a été fait dans le cadre du projet de la Galerie 20 à Berlin. C'est un projet qui a été initié en 2009 par la Stiftung Preußischer Kulturbesitz et le Land Berlin et qui a débuté en 2010. Le but était d'examiner les œuvres d'art saisies à la suite des persécutions nazies et de proposer une analyse systématique de la provenance de plus de 500 œuvres des années 1900 à 1945 de la Galerie des 20. Jahrhundert. Comme vous pouvez le voir, chaque information donnée sur l'œuvre et chaque source est renseignée. Revenons-en à notre base de données du Bénin. Comme pour le modèle berlinois, chaque information sur la provenance est liée à l'analyse de l'objet et à des documents d'archives. Prenons l'exemple de cette pièce portant le numéro d'inventaire C3173 du musée de Saint-Gall. Sa provenance a pu être reconstituée grâce à différents documents, comme par exemple cet ancien carnet de photographie de la collection d'Anne Corail, dont est issue cette image, qui est conservé à Berne, ou encore cette ancienne fiche d'inventaire du musée de Dresde, ou ces nombreuses inscriptions et étiquettes collées au dos de l'objet. Avant de terminer, nous tenons à rendre hommage à notre confrère et ami Achim Schaeffer, qui nous a quittés en décembre dernier et avec qui nous avons eu la chance de pouvoir travailler pendant plusieurs années. Achim était directeur adjoint et responsable des collections de l'Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen et nous a fait partager avec passion ses connaissances sur l'histoire des objets du musée. Nous remercions tous ceux qui rendent possible l'accès aux objets et à la documentation et qui autorisent l'enregistrement et la diffusion des informations. Ce sont eux qui rendent possible les coopérations et permettent d'accélérer les recherches sur la provenance. Car ces objets, créés au Nigeria et conservés sur le continent européen, sont porteurs d'une histoire commune qui devrait être partagée sans restriction. Merci pour votre écoute. Nous vous retrouvons jeudi 28 janvier à partir de 14h pour la discussion. À bientôt! Hello, my name is Holly Ayova. I'm a PhD student, and I'm going to present you some details of my ongoing research on the African origin objects from the Ceaușescu collection of diplomatic gifts in Romania. The objects are over 200 and are now in the custody of the Franz-Binder Universal Ethnography Museum. There are very different types, constructed ivory, weapons, wooden statues, bead objects, and many other types. They were received
during Ceausescu's time as leader of communist Romania, most probably during his friendship visits that he performed in African countries, trying to establish or maintain diplomatic relationships with local leaders. The objects are now facing some sort of an identity crisis, mainly because of successive changes of custody from the National History Museum to the Franz Binder Museum, and even earlier in different exhibition contexts related to Ceausescu's personality. Now there are a lot of lacking of missing information regarding the origin and changes of significance of the object. Moreover, there are some sensitive matters to be addressed, such as communist heritage or the topic of post-colonialism, which Romanian culture has limited experience because of the lack of involvement of Romania in the colonial phenomenon. So there is not enough precedent of how these objects are to be explained or exhibited. And even the question, why are they important, may arise. This question has been partly answered in 2018 in the exhibition called Gifts from the Golden Age, but it only explained the objects as diplomatic gifts while not offering explanations on their significance in their culture of origin. And this is going to be my research goal. This is my research goal to establish where the objects actually come from, what were they meant as diplomatic gifts, what is their meaning and their culture of origin, and what role did they play in the identity construction as a diplomatic gift in the diplomatic gift situation. My personal contribution in the analysis of these objects is the paradigm of performative object, drawing on the studies of Victor Turner. And my claim is that we should tackle them on four different layers. First one being that objects are in themselves cultural performances. They carry utterances, they carry messages, stories, and we have to look at them and analyze the stories that they contain themselves. Second, as part of cultural performances in their culture of origin. Thirdly, as a part of a performative situation and gift-giving situation. And fourthly, as part of a performative museum discourse. One of the most interesting objects in the collection comes from Angola and was received in 1979. It depicts scenes from the Angola War of Independence, and we see here symbols of the popular movement for liberation of Angola. Most likely, the object was received from Agostino Neto himself as a means of showing his dedication to the socialist cause and his role in the socialist communist path of Angola in late 70s, but the object was not explained as such in the exhibitions in which it was featured. In 1991-92 exhibition, permanent exhibition of Franz Binder Museum, it was just integrated in a discourse on folk art originating from Africa in a room dedicated to different aesthetic approaches to shapes, so not explained in its actual meaning. And then other two examples, in the left we see a kpinga, which was labeled as an African working tool. Of course, it's a weapon, a prestigious weapon, very present in different types of performative contexts and ceremonies, while in the right side we have a chieftain's tool, also very important in the idea of leadership performance in the African, in West African cultures, and all the more important as a message of diplomatic gift. I thank you for your attention, and please do not hesitate to write me for suggestions or questions. Welcome to my presentation, Adventures in Paradise. My name is Beatrice Warhol, and I'm curator for Oceania at the Museum der Kulturen Basel. In 1932, the two young men, Lukas Stacheli and Theo Meyer, both from Basel, decided to go on a trip to the south.
South Seas. They seem to have very different backgrounds. Theo was an artist who later became famous for his Bali paintings. Lucas was the offspring of an important Basel family. Both were short in money, and in Lucas' case it was because his family didn't support the ideas of the young men. Without further ado, Theo founded a club to support his travels. He pre-sold yet unpainted pictures that his funders would receive later. Obviously an idea that was working not too bad. As many, Theo was fascinated by the image of the South Seas. Paul Gauguin was a huge inspiration for him. When arriving in French Polynesia, Theo came down to earth with a bang when seeing the local situation. However, he very much stayed within the picture of the South Seas as a paradise, or French Polynesia as a paradise. Their stay in French Polynesia, mainly in Hiva'oa, was a great adventure for the two young men. As it seems, Lucas Stacheli was the more scientific of the two, documenting everything with his camera, writing diaries and exploring Hiva'oa. On the other hand, Theo lived the dream of the tropical paradise in his paintings. During their time in Hiva'oa, they undertook several expeditions. On their trips, they were riding through the bush jungle, climbing cliffs and meeting up with wild boars and bulls and an awful lot of mosquitoes. Their guides were locals, but probably all from French descent. They collected ethnographic objects by the way of buying them from locals or intermediaries, by just taking them or by excavating. A fish trap was their first finding. They just picked it up and hid it under a banana leaves to take it home later on. Their activities not stayed hidden from French colonial administration. Soon the two Swiss were accused to steal objects from common grounds. A reproval that was not quite right in the particular case of this tiki, as they bought it legally. Anyway, in the end, they had to leave this particular tiki in Hiva'oa. Even more serious was their attempt to collect human remains from graves. I think for Lucas' exploratory spirit, it was just a huge challenge, as the graves were hidden in cliffs and he had to climb up the rocks. As it is noticed in Lucas' diary, most of the graves had been excavated already when he arrived. Their problems with French administration was constantly smoldering. In the end, when they departed, their crates were confiscated due to grave robbery. Both continued their travels individually. The Museum der Kultur in Basel took care of the matter with the crates. The museum representatives complained that French administration papete made difficulties. The whole matter was negotiated between museum and French embassy in Switzerland. In the end, the crates were released and got to Basel. Negotiations, though, continued between the two young men and the museum concerning the price of the collection. In the end, 125 objects passed into the ownership of the museum. Much later, Lucas' widow sold his photographs to the museum and passed parts of his diaries to the museum. So far, we put together all data. We are trying to find out more about the form of appropriation of each object.
The striking point is that Marquesians haven't been consulted so far, not in the 1930s, not later on, and we think this is a point that has to be changed. To close with, I want warmly thank Doris, Marina, Misha and Celion for their precious work in the frame of this project. Thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de nos présentations qui sont très intéressantes et en même temps qui nous montrent combien ces cas sont toujours spécifiques, renvoient à des cultures et à des temporalités particulières. Et on voit combien nous avons souvent de la peine à reconstituer une histoire des collections. Il me paraît commun, c'est malgré tout les méthodologies communes qui partent évidemment de l'objet pour l'enrichir des documents, à la fois archives, photos, etc. Et malgré tout, la limite de l'exercice que je constate sur ces cinq cas, c'est la difficulté de remonter au-delà de l'archive européenne et de la documentation. C'est vraiment peut-être parce que nous sommes dans ce premier mouvement d'éclairer le plus possible à partir des documents qui nous sont accessibles l'histoire des mouvements dont on voit qu'ils sont particulièrement complexes et surtout dans le domaine du marché de l'art que vous abordez Marion Bertin, on sait qu'on a certains musées comme les nôtres s'efforcent de réunir de l'archive de galeries d'art qui ont été importantes. C'est un mouvement qui n'est pas spontané de la part des galeries d'art que de vouloir confier leurs archives à des institutions patrimoniales. Nous avons pu le faire, d'autres musées peuvent le faire, mais ça paraît un élément absolument important, en particulier pour ces deux collections que vous avez étudiées, qui proviennent toutes, qui sont assemblées d'abord par des individus selon leur goût, et aucun des deux ne sont des scientifiques, mais qui puisent au travers de réseaux marchands largement constitués depuis le XXe siècle. Quelles sont les autres sources mobilisables? Vous évoquez aussi l'enregistrement de témoins, ce qui est encore disponible dans la mémoire des uns et des autres. Et ma question, c'est quels sont les autres moyens mobilisables pour essayer de mieux comprendre, percer un peu les mystères des marchés de l'art, dont on sait que beaucoup fonctionnent essentiellement par le secret aussi, le secret de l'origine, le secret du prix de vente initial, et comment on peut aller au-delà de ces données dont nous disposons. Et surtout, est-ce que vous enregistrez, est-ce que vous archivez votre propre démarche? Parce que c'est quelque chose qui nous manque. On le voit parfois, qu'il y a eu des efforts dans le passé, mais qui nous manque cet archivage de cette mémoire orale que vous mentionnez dans votre papier. Je vous remercie, Monsieur Casarero, pour cette question. En effet, vous touchez là à des questions importantes pour l'étude des objets qui sont passés sur le marché de l'art et qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Effectivement, je pense que c'est un grand défi de travailler aussi, de créer une relation de confiance avec les marchands, de réussir ce défi-là pour gagner de nouvelles informations et pouvoir aussi obtenir certaines archives dont certaines sont encore en main privée, ce qui posera des grands défis pour les années à venir et pour les collections les collections publiques à venir. Parmi les autres sources que je mentionnerai, c'est beaucoup de sources orales aussi. Et vous-même le mentionniez, il y a beaucoup de travail qui a été mené depuis de nombreuses années. Les recherches de provenance ne sont pas neuves, même si elles prennent une actualité toute nouvelle depuis quelques années.
Et effectivement, il reste beaucoup d'archivage aussi à faire des travaux qui ont été menés au cours des dernières années par nos prédécesseurs. Donc les sources orales des personnes en charge des collections et des collections d'archives également me semblent vraiment des archives fondamentales et des sources importantes à mobiliser pour ces recherches. Au Musée Picasso, c'est effectivement par exemple une des principales missions qui m'a été confiée sous la direction et sous la supervision de Juliette Pozzo, qui est en charge de l'intégralité de la collection personnelle de Picasso, qui fait partie aujourd'hui de la collection du musée. Et effectivement, ce travail d'archivage de mon propre travail, de notre démarche à Juliette et à moi, et du travail mené précédemment, a été une des premières missions, un des grands moments de mon travail. Parmi les autres sources utiles et les autres intervenants et intervenantes l'ont souligné, le travail sur les objets eux-mêmes est évidemment important. Les marchands laissent eux-mêmes aussi souvent des traces de collection, des numéros d'inventaire, etc. Donc les objets eux-mêmes peuvent aider à étayer les archives et sont une des sources vraiment absolument majeures, évidemment. Merci beaucoup Marion pour ces précisions. Je crois que l'heure tourne, donc je vais essayer de faire un tour rapide des uns et des autres pour que vous ayez le temps aussi d'élargir. Éventuellement, je vous propose une question, mais vous êtes vraiment les bienvenus pour répondre à côté ou répondre à quelque chose qui vous paraîtrait plus pertinent que la question que je vous pose, donc n'hésitez pas. Najiba Choudhury, sorry, we are always talking in French, and I'm sorry because we didn't provide you a proper translation. So I hope you get at least some points of what we are saying. Thank you very much for your presentation, and thank you for bringing to us this question of Southeast Asian objects and the question of multiplicity of objects. Also, an object is unique, but at the same time, it can be produced with others, and that's a very interesting question. I wanted to ask you, how did you pick up this particular object you were talking about? Do you have any kind of procedure to choose among the thousand of objects you have, which is the important case to investigate, and what would be the criteria? Thank you, Emmanuel. That's an excellent question. Well, before I get into it, I do want to thank everyone for allowing me to participate. My French isn't the greatest, but I am understanding bits and pieces here and there. So to go back to the question, I think as our collection, we have about 45,000 objects in our collection, and it spans not only Asia, but also the Near East and American art, and obviously South and South East Asian art. So it's very challenging to have sort of like a criteria. What we have done since 2008 or so is basically focus our research on Chinese art, and particularly Chinese art, which might have been in continental Europe during the World War period, just mainly because that was sort of the mandate in the American museum community, as well as the international community, to undergo research and figure out what could have been translocated during that period. But even if you consider China as an umbrella, there are so many objects. So that's to say, it's even within that Chinese category, we have not made as much headway as one might want to make the kind of progress that we want to make. But the other criteria other than the Chinese art and World War II is kind of
if there are important collectors that we are aware of and we have the archival resources, for example, the Arthur and Sackler, which is one of the museum that I work under, because he donated so many objects, there are archival resources that we have available, so it makes it easier. The other criteria is kind of public requests for information. As a federal institution, if someone was to request information on a collection object, we try to make that accessible to people. So oftentimes, if there are concerns within the art community or among journalists that, okay, we are concerned about this so-and-so dealer or collector, then sometimes we will use that person and whatever was acquired to go do research on this. For instance, one of the reasons that I did pick this object is it could have potentially come from Doris Wiener. And Doris Wiener and her daughter, Nancy Wiener, Doris Wiener passed away in 2011. But Nancy Wiener, she was arrested a few years ago on charges by the US police or FBI, I believe, because there were questions whether she trafficked or was somehow involved in illicit trafficking. So that kind of became our priority as well, to find out all the objects that was in the collection that could have come from her and do as much thorough research as we can. And obviously, depending on the interests of the researcher and the particular strengths, that also counts. For example, because my area, personal area, is South Asian art, I try to look into what's in the collection and sometimes pick and choose. But we are hoping that we can create something that's more systematic, that's definitely, that's required, and we can definitely hone that criteria that you talked about. Thank you very much. I got another small question for you, and if you want to tell something on another subject, please do it, because if I miss the right point for you. But I was interested by what you said about the title of the objects, and sure. How do you solve it? Because I don't know. I don't know if there is a way to solve it. I think it's also myself not being a curator, I kind of rely on the curators to tell us. But I, as a person that's also working in the collection, I've also seen how curators change their titles, you know, over time or when one curator retires. For this one, I couldn't really get into it in particular because of the time limits. But even within sort of the publications that came out in the last 40, 50 years, there are different names. One is associated with her identity as a goddess, so Uma. The other, I mentioned one of the Sanskrit inscription. The other inscription that's roughly etched next to the Sanskrit, it says Uma, which is it's written in Tibetan, and it's associated with a goddess. Now, when it was published by this Indian scholar on Nepal, he published it as Prajna Paramita, which is a goddess of wisdom. So what our current curator cleverly tried to do was put goddess, so like associate herself with, give her that identity as a goddess, but also say queen as the goddess, Dipamala. So there's the association of the collector as well. I don't think there is an easy answer, but I think we should make our visitors and people who are not necessarily experts in that area, make them aware that these are just what we are giving them. In a way, the titles are fluid. It's not like in a painting where the artist might have written. Yeah. But I'm open to suggestions or from you or anyone else, if anyone has a better. Well, I understand that the titles, a different title is also part of the history of the objects. And it's interesting to see, because it tells something about the way these objects have been seen in different part of the history. So it's interesting. Absolutely. And we may probably have to record all of them. And of course, because we're dealing with the public, we have to end up with something
easy or at least understandable and not a big mass of interpretations. Absolutely. And even within, sometimes for exhibitions, curators will change, as you are aware, and I'm sure some of the other curators in this panel are aware. Sometimes they'll just shorten it or make it more easily, like you said, like easily accessible and digestible. Like a long title doesn't necessarily work. Just want to make provenance researchers aware that please, especially if you're looking at non-Western art or South Asian art, don't rely on the title as much for your digging, because I got it wrong. I actually got a wrong response a couple of times, even when I was contacting museums and I told them like, I'm looking for this. And they were like, we don't have anything. And then they were like, oh, this, when it came to our museum, it was called this and this. Yeah, so. That's a common problem. Thank you very much, Najiba, for your answers. I would like to go on. You want to say something? Claire, I think, has a question. Sorry to interrupt. No, it's okay. Thank you, Najiba. It's just a question for Oria, dans le question-réponse. Ah, sorry. Je peux la lire, hein? Yes, oui, tu peux, si tu peux dealer avec ça, ça m'arrangera. Oria, c'est pour toi. Merci beaucoup pour toutes les présentations. Deux questions de la part de Damiania Otoyou. Could you tell us more about the process of transferring the collections from Bucharest to Sibiu? In other words, who decided which objects would remain in Bucharest and which ones would leave for Sibiu? And on what basis, motivation? From the point of view of the legal status, is there a difference between the objects diplomatically found today in Ceausescu's former residence and the objects stored in ethnographic museum? Open your microphone. Yes, I did. Thank you very much for the question. I will keep answering in English. Actually, it's a very good question, and I don't have an answer to it yet, because I was concerned more about analyzing the objects themselves than and finding also a methodological context to analyze them, to build a methodological tool in order to write about them. But the question is very good. As far as I know, they were transferred in two tranches, actually, in 91, a first one, and in 98, second one. They were transferred to the Franz Binder Museum because it was the only universal ethnography museum in the country. So this is why the objects are there from the History Museum. In the History Museum, they have a more extensive collection of gifts that Nicolae Ceausescu received also from within the country. And this is the topic of research from some other researchers, including in the History Museum. This was the reason why they were transferred to the Franz Binder Museum, because there it was the ethnographic collection. I'm not sure about the legal status or the legal conditions of this transfer, but I'm going to look into it. Again, this is not yet a step of my research, as I was concerned on the objects themselves and on learning more about African art and its interpretation. I myself am not an Africanist. Actually, my background is in communication, and I tried to understand the object as messages, and this is more detailed in my research work. I'm not sure if I answered the question, but please. I may ask something. I guess also the question behind it is by transferring it for, as far as I understand, from dividing a major collection with gifts, diplomatic gifts, and taking apart the African ones. Did it change something about the way you look at the object? Of course, there's a. It's if I understand correctly, the African objects have been transferred apart from a major collection, or No. They have transferred all most of the objects coming from other countries. So the countries coming from Romania mostly
stayed in the National History Museum, whereas the objects coming from wherever else traveled to Sibiu. So in Sibiu, they also have objects from Japan and from Middle East. It's just my concern for the African objects. Okay. But okay. All the objects, most of the objects coming from other countries are in Sibiu. And there are also some objects in the Ceaușescu residence in Primăverii Palace in Bucharest. That is true, but they were not in this corpus of objects. So I don't know about their origin. I've seen them. I know that they are also gifts, but they're a little bit outside of my research field, as my concern is the corpus of collection that today is in Franz Binder Museum custody. In your research, I understand, as far as I understand, this collection is very linked with the diplomatic relationship between Romania during the communist period and the rest of these 25 different African country. If there's any other example of this kind of collection in other country that you can make comparison with the collection you have? I have been looking for them. Actually, I haven't found one to correspond 100% to the case of the Romanian collection, but I'm sure they are, at least for the former communist countries, they must have similarities. Actually, I've sent an inquiry in the Bulgarian National Museum because the approach was quite similar. I don't have a clear answer yet, but I will still keep looking for other similar collection. I've been searching for them, but I have no conclusion yet. But if I may add something else, as maybe some unicity of the research is the object I've been telling about, the object coming from Angola, which is the only one depicting scenes from the 20th century. Otherwise, the carved ivories are timeless. Authentic. Yes, they're timeless. They are positioned in a, let's say, idyllic context, or telling stories about the African folklore or tales or even proverbs. But there is no other telling a story about a concrete event easily traceable in time and space, and most importantly in the 20th century. So I'm still looking for a similar object in the collection or wherever else, but I haven't found it yet. And another small question also, because of this arrival of object, did any of the university of museum in Romania were interested to develop a collection around Angola, or because I've seen objects like that in St. Petersburg Museum, where there's they developed a large collection of the 20th century cultural objects of the different, they call it friend country or sistership country at the time. And that was very interesting because it tells something also about the diplomatic relationship, the political vision, and also the way the culture was understood under this big umbrella. So the question was if there was an exhibition. Romania. No, as far as I know, no, but this is a growing interest for researchers. There are currently a few researchers studying this topic of gifts, especially studying the era of Ceaușescu. So there hasn't been one, except from the exhibition I talked about, Gifts from the Golden Age. It was an exhibition about the diplomatic gifts received by Ceaușescu, but from all over the world, not only from Africa. But again, as I was saying in the presentation, it doesn't explain the nature of the objects or their significance in the culture of origin. They just tell there were gifts, and sometimes they mention the origin. But looking back into the registries of the museum, there is no certain provenance for some of the objects, and even a mistaken attribution of function. As I was mentioning, the Kpinga was labeled as an African working tool, which is obviously wrong. So
to answer the question, there are some attempts to research on these gift objects, and maybe if we, I don't know, join the efforts, we will be able to build some narratives that could be integrated into a wider exhibition. Thank you very much, Andrea. Thank you. We have a few questions from the audience. There's one in I can easily answer from Freya Perza. How many positions for provenance research were created in the Museum Kevali since the restitution report handed to Macron, and how many positions were there before? They were known before the report, and we have now one full-time curator who is in charge of not only researching by herself, but also coordinate the other effort we made. And we have also developed several grants, especially focusing on this question of provenance from our collection. There is no other question, but maybe I will go back to the panelists because I didn't finish. I wanted to ask a question to Andreas and Audrey. I was very sad to know that Achim Schaeffer passed away. He was, I had the pleasure to work with him in from Saint-Gall. And he was very useful for, he was very helpful in my research on the Kanak research I made at the time. Thank you for mentioning that and for this paying respect to him. En français ou en anglais d'ailleurs avec vous? En français ou en anglais? En français, d'accord. La question est intéressante parce que je crois qu'elle revient aussi dans le public, c'est quand vous faites ces analyses, enfin ces recherches sur les objets, est-ce que vous avez des problèmes d'accessibilité? En fait, est-ce que les musées voulaient facilement accéder à ces objets ou pas? Je me lance des bâtons hein, pour me faire battre, mais j'aimerais avoir votre réponse. Sans citer de musée Non, vous êtes au-delà de la Suisse, vous êtes à l'échelle de l'Europe et du monde. C'est très différent d'un musée à l'autre. C'est... Est-ce que vous parvenez à les convaincre? Pas toujours. Pas toujours. Non, en fait, ça dépend du musée. Bon, le Quai Branly, on peut le citer, c'est très facile parce qu'il y a vraiment une structure qui est là pour la recherche. Il y a vraiment des salles de consultation, il y a des salles de la documentation pour les archives, c'est très facile d'y accéder. Une question de moyens, alors, pour des musées plus petits qui n'ont pas la ressource personnelle? Pour les musées plus petits, bien que beaucoup de musées nous ont laissé quand même avoir accès aux collections, même sans salle de collection ou sans salle de consultation, ça a été relativement facile avec beaucoup de musées, comme Saint-Gall, Neuchâtel, je n'ai oublié personne. Bâle, qui est en ligne. Pas forcément. Bâle, en fait, on a eu, pour dire la vérité, j'ai eu accès à une partie des objets dans les dépôts, mais pas au droit, j'ai pas eu le droit de photographier les objets. Parce que le motif était que Barbara Plansteiner travaillait déjà sur ce projet. Ah oui. Et c'était le motif pour lequel je n'avais pas le droit de photographier ces objets ni de les retravailler. Ce qui est un peu étrange parce qu'à un moment donné, quand on fait de la recherche de provenance, ça devient public. Et c'est le but justement d'échanger des informations. Et c'est ce qui s'est passé en fait. La conservatrice de Bâle a fait une conférence et je suis tombée dessus par hasard. Donc, j'ai pu avoir accès aux documents dont j'avais besoin et qui m'étaient refusés. Donc, ce n'est pas toujours vraiment dans un esprit de logique. Ça dépend des périodes aussi, peut-être. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que quand certains conservateurs travaillent sur un sujet, ils ont l'impression que c'est leur domaine de recherche et que personne n'a le droit de travailler dessus. Est-ce que ce n'est pas propre à tous les domaines de recherche? Moi, dans le Pacifique, quand un archéologue travaille dans une île, ça devient son territoire et le second est tout juste jeté à l'eau quand il essaie de poser un pied sur l'île. Non, par exemple, à Genève, on a eu le cas à Genève, ça s'est super bien passé. On a travaillé ensemble et ça nous a permis de retrouver beaucoup plus d'informations parce que c'était un travail
qui s'est fait en collectivité. Donc ça a permis d'avancer beaucoup plus vite et c'est intéressant pour les deux, autant pour le musée qui a avancé dans ses recherches comme pour nous. Et je trouve justement, si on est vraiment chercheur et que c'est vraiment son domaine et sa passion, on devrait partager cette passion parce que c'est le partage des informations, c'est ce qui fait avancer plus rapidement. Parce qu'il y a aussi la difficulté pour un musée. Les conservateurs ont énormément de charges de travail. Ils n'ont pas seulement la recherche à faire, ils ont aussi tout ce qui est médiation, communication avec le public. Et c'est impossible de faire, de couper les informations comme nous on peut le faire du fait qu'on ne soit pas rattaché à une structure. Nous, on a la possibilité de voyager énormément. On ne travaille pas seulement dans les musées d'ethnographie. J'ai cité par exemple l'exemple des archives militaires, parce que j'ai retrouvé dans les archives militaires de Londres des documents d'information sur les objets du Bénin qui étaient à Berlin. C'est improbable. J'ai fait ça par hasard en me disant, bon, allez, et là, j'essaie d'apprendre le portugais pour pouvoir aller chercher au Portugal. Mais, c'est ce qui a été pointé par d'autres panélistes, c'est-à-dire que les informations sont éparses, et très éparses, même dans des lieux quelquefois qu'on ne soupçonne pas. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant, justement, de laisser l'accès aux objets. Parce qu'un conservateur a tout intérêt à laisser les chercheurs accéder à leurs objets, parce que ça permet d'avoir plus d'informations sur l'histoire des objets. Et après, eux, ils peuvent travailler avec l'Afrique ou travailler en coopération sur des projets plus importants. Mais la base, ça éviterait de perdre beaucoup de temps, on va dire. Parce que si on veut faire la provenance de recherche, c'est déjà quelque chose qui dure très longtemps. Et ça avance beaucoup mieux quand c'est partagé. Et quand c'est... Bien sûr. J'ai pas eu, par exemple, le droit de photographier des documents d'archives qui sont même sans... où il n'y a plus de droit, normalement, sur les photographies. Donc, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le droit de photographier des documents d'archives qui sont d'autant plus publiés dans d'autres... Après, j'ai trouvé dans d'autres ouvrages. Donc, il y a toujours un problème d'accessibilité, en fait. Surtout quand vous êtes chercheur autonome, en fait. Ce serait peut-être plus facile si vous étiez rattaché à un autre musée, en collaboration. Pas forcément. Pas forcément, en fait, tout dépend du musée. Certains musées sont excellents dans la coopération et c'est très rapide et ils sont pas, ils demandent pas d'être rattachés. Ben, même le Quai Branly, hein, je veux dire, récemment, on a travaillé sur la collection de Charrière avec Hélène Joubert et Gaël Beaujean et on a beaucoup avancé sur. Emmanuel ? Oui. Je peux ajouter un petit commentaire à l'intervention de Charrière. Voilà, on a en effet une magnifique collaboration. On a découvert la provenance de deux objets majeurs de la collection dans les archives Webster. Donc, c'était vraiment extraordinaire. J'aimerais juste ajouter aussi que, pour continuer sur ce sujet très rapidement, qu'il y a une initiative qui s'est créée il y a une année en Suisse. 8 musées suisses, et c'est la première fois, ont rassemblé leurs énergies et leurs collections pour travailler collectivement sur ces provenances dans un projet de coopération avec le Nigeria et en demandant à l'Office fédéral de la culture un budget qu'on a obtenu. Donc voilà, ce sont des initiatives parallèles, mais voilà, la question de Benin City est évidemment très importante en Suisse comme partout en Europe et la Suisse est en train de se mobiliser à travers ses musées pour donner son apport aussi à des projets nationaux comme Bénin Digital, etc. Et grâce à Audrey et Andreas, on découvre de nombreuses provenances très importantes. Voilà. Et c'est grâce à vous aussi, puisqu'on a accès aux collections et on a accès aux informations. C'est le partage. On a une réponse dans la demi-journée. Une belle interaction, en tout cas, entre vous. Une question sur la manière de faire parler les objets et qui a peut-être aucun sens dans le cas des objets qui vous intéressent, mais les analyses physico-chimiques, est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose sur la connaissance des objets que vous traitez, qui sont en particulier des bronzes? Nous, on conduit des analyses sur des cuivres d'Afrique de l'Ouest, sur un certain nombre d'objets qui ajoutent en fait une information supplémentaire qui n'est pas forcément, et quelquefois différente et nouvelle par rapport à ce que nous apportaient les données subjectives, enfin les archives, etc. Oui, on a essayé, en fait on était parti de ça, on voulait regrouper dans cette base de données
Il y a une catégorie, je ne sais pas, peut-être si vous avez vu dans la base de données qu'on a créée, il y a une catégorie aussi recherche scientifique, et c'est ça qu'on entend par analyse scientifique, c'est tout ce qui est analyse du métal ou analyse par thermoluminescence, et on est en train de recenser tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Là, c'est pareil, on a des difficultés à avoir certains résultats. Pas tous les musées ne rendent les résultats accessibles. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que nous, vraiment, on voulait... Je sais qu'il y a des projets qui existent. Il y a le projet de Barbara Plansteiner, le projet qui est en Suisse. Mais ce qui est dommage, c'est... On aimerait qu'on puisse travailler tous ensemble. Et je suis en train de mettre... Là, je vais mettre, à la suite de ce colloque, là, je vais mettre en ligne... en PDF, notre base de données déjà pour les objets. Voilà, c'était la question, je crois, qui recoupe aussi la question du public, c'est où est-ce qu'on peut regarder et où est-ce qu'on peut avoir accès à ces informations. Alors, on peut faire ce qu'on fait, parce que en fait, on programme nous-mêmes la base de données. Donc, il faut savoir que j'apprends la programmation. Ouais. Quel boulot. Ça vient petit à petit. Donc là, j'ai programmé la base de données. Maintenant, j'ai réussi à programmer pour exporter les données au format PDF. Donc, c'est ce qui va se faire dans un premier temps pour pouvoir exporter collection par collection les données pour que les gens puissent la télécharger. Dans les mois qui viennent, ou en tout cas cette année, il va y avoir la base de données sera accessible en ligne dans un format vraiment base de données. Après, le souci qu'on risque d'avoir, c'est les droits d'auteur. Oui. Là, c'est pareil. Même si ça peut servir à tout le monde, surtout dans ces projets qui sont en cours et qui sont déjà lancés, c'est pas dit qu'on ait l'autorisation ou qu'on se fasse pas. Je vais tenter. Je vais tenter. Oui. Je vais tenter à la suite de ce colloque parce que les musées. Il faut les avertir au moins, parce que certains comme nous, par exemple, ne possédons pas les droits légaux sur un certain nombre d'images. Ils sont gérés par d'autres. C'est le seul problème, J.K. Branly. C'est le seul. Voilà. Donc, nous avons l'impression d'être indépendants, et en fait, nous ne le sommes pas. Et donc, nous devons. Et c'est tout le problème de la mise en partage, en fait. Mais peut-être qu'un partage déjà entre professionnels. En version bridée, en laissant à chaque chercheur le soin d'en faire une diffusion plus large. Oui, mais c'est un problème. Hein. Je vais essayer de mettre un mot de passe et de transmettre le mot de passe, comme ça ce ne sera pas en ligne sans filtre, mais ce sera quand même en ligne. Je vais essayer de faire un système comme ça. Mais c'est vrai oui, que... C'est une question qu'on avait par le public aussi, c'est de dire quand est-ce qu'on... Comment le faire... l'expliquer au public, c'est vrai que souvent on est dans des argucites spécialistes et c'est pas toujours facile de le partager avec un public qui s'attend à des réponses relativement univoques. Mais pourquoi ? Parce que par exemple au Quai Branly, quand on veut publier, en fait, ça passe par une boîte. Oui, ça passe encore par une autre boîte, donc ça fait deux étapes, en fait trois, ouais. Même au Quai Branly, la boîte française et la boîte allemande. Et ça, à la fin, on arrive pour... Oui, parce que je vais publier les objets qui vont être restitués par Emmanuel Macron. Et c'était quelque chose comme 2000 euros. Par la République française. Oui. Et je crois que c'était quelque chose... Oui, pardon. Je crois que c'était quelque chose comme 2000 euros. C'était juste énorme. Parce que les frais oui, non, mais il y a un vrai problème parce que justement, dans ce système français, mais peut-être que j'imagine qu'il y a des systèmes similaires... Il y a ce découplage entre les objets d'un côté, les images de l'autre et les droits à l'image qui sont encore gérés par l'autre. En tout cas, on progresse et merci de votre travail parce que ça permet aussi de stimuler aussi dans les musées une réflexion sur leur propre collection, sur la manière de les aborder. Je crois qu'on me fait des signes pour que j'avance un petit peu. Donc, merci beaucoup, Andreas. Désolé de ne pas avoir fait parler Andreas, mais enfin, j'imagine qu'il était de tout corps avec vous derrière ses réponses. Mais, salutations en tout cas. Je voudrais venir sur Béatrice Voirol sur votre présentation. Alors on se vous voit parce qu'on est devant plein de monde, d'habitude on se tutoie Béatrice parce qu'on se connaît depuis longtemps. Sur ce cas très passionnant avec le Tahiti, la question c'est, alors c'est intéressant parce qu'il y a un cas judiciaire aussi de protection du patrimoine à une époque coloniale. Ça, c'est assez intéressant de voir aussi quelles sont les protections qui sont mises sur les colonies
là on est dans les années 30, et sur le patrimoine culturel des colonies. On pense souvent qu'il n'y en avait pas, or il y a souvent des législations, alors applicables ou pas applicables, mais qui sont anciennes, et c'est un sujet que je trouve intéressant, mais qui vous obligerait peut-être à aller vers d'autres spécialistes. Je vais vous demander comment vous allez aller au-delà, comment construire maintenant une relation avec les Marquisiens, sachant que les années 30, ça fait loin, que la mémoire orale est sans doute passée. Comment envisager cette relation, parce que vous êtes celle qui est le plus proche en fait de cette main tendue vers la communauté d'origine dans votre recherche. Comment imaginer cette main tendue et ce dialogue avec les Tahitiens et les Marquisiens en particulier? Oui, merci beaucoup pour cette question, Emmanuel. I speak to English. It was just very important for us to have an overview first, because we are talking about 1,732 photographs, for instance, and the same picture could be in three different formats. So it was quite challenging to bring this together in an order and to get an overview. So this was quite hard work, I have to say. The objects are easier to handle because there are not so many. We could also include Theo's pictures, painting pictures later on maybe. And so this was just very important for us to bring together all these data, also the diaries of Lucas. And I'm not sure if our database, the TMS, if we really can bring together everything. So I was very keen on FileMaker, because I used to work with that before, when it came up this afternoon. Like Audrey and Andreas. But so we have to see what it gives. But you're absolutely right. We don't have relationships with French Polynesia so far, not like with New Caledonia or Vanuatu, New Guinea. So we really have to begin from scratch. And for me, in the first place, it would be just very important to bring this collection to the attention of the people of Hivaua in the first place. And then just to listen to wishes and needs of the people. But it will be probably quite challenging to decide where are the stakeholders. And so it would be time to travel, but yes. This so has to wait for a few months. Interesting, yeah. Interesting challenge. And also, did you use the archival resources in Tahiti itself? Because as far as I understand... Not yet, but this too, yes. That will be interesting to see how... And I wonder why the French at that time had some... have this case... with the Swiss, is there because the people were Swiss, and if they would have been French, would it be the same kind of problems? Or that would be interesting. Yeah, in fact, it would be very interesting to know. Yeah. Well, you're very lucky, because if you go there to work on this file, on this project. I can tell you, I know that the Marquesas Island, it's a wonderful place. and it's very easy to contact the Tahiti Museum. I'm sure they would be very interested. There's a new director, she would probably react very positively to your research. And you may know that Tahiti is one country, and Marquesas Island is another country, another language. But sometimes you have some diplomacy in between to take into account when you deal with this kind of thing. But it's very interesting. Did you want to add something about the
as far as I understand, they bought a lot of things to people, the individuals in the market asylum. Did they bought also to dealers? No, I don't think so. But it's funny, their guides, they are just named by, one is called Gregor, but they are not described properly. And I looked through all the photographs before this afternoon to check if there is a photograph of one of the guides, and I don't think so. No. They took pictures of many different people, of course, women in the South Seas, this because gen, of Gauguin. Also from French descent, people they met on the boat or just like that. And from themselves, they made quite a lot of photographs, but I think not from their guides. So this is a bit... That's a bit strange. Maybe. Well, when you think it's in the 1930s, it makes sense also, because they were just indigenous. Part of the picture. Well, but probably they are not indigenous. They were French. I think one was mentioned to be from La Bretagne, but who lived there for a long time and were like intermediaries in between locals and the two. That's interesting. Yeah. So you may find the descendant of these people. Yeah. Know more about them, because it's there's. Often they are not in the frame, so that's interesting to have these kind of intermediaries, the go between the indigenous and the researcher or these two guys with no. It's a pity that I thought that all the collection at the Basel Museum were put together by scientists, and that's the first time I hear that they were not at all. It's also the time. Okay, thank you very much, Beatrice. I'm going back to the organizers to ask them if there is any other question. Emmanuel, écoute, il n'y a plus de questions dans le question et réponse. Tu as posé, en fait, en discutant avec les participants, tu as posé les questions qui étaient posées dans le question-réponse. Voilà, je pense qu'on peut clôturer la session puisqu'on doit passer à une suivante. Merci à tous. Merci à toi, Emmanuel, d'avoir modéré cette session, et merci à toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Et bon après-midi, et je pense qu'on se retrouvera pour la plupart dans une demi-heure à peine. Merci beaucoup.